Et même à courte portée, ça respectait, vous le savez ça. Genre, tu vois, je croise un mec, tu vois, bam bam. Bam bam bam. Il a pas été réa, ok. Il me reste 10 balles dans le chargeur avec les balles lourdes. Bam bam bam. Non, mais c'est abusé, les gars. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Non, mais c'est incroyable. Bien, bonjour à tous les amis, c'est Wayer, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va faire une review sur la C42. Alors ce sera pas une review complète sur l'arme évidemment. Ce sera vraiment sur une partie secrète de l'arme, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment une configuration à part. Donc je vous donne par exemple les deux configs, les deux manières dont elle peut être jouée. Et c'est ça qui est fou dans cette arme, c'est qu'elle est ultra polyvalente et puissante dans les deux cas que je vais vous montrer juste après. Si vous voulez jouer au corps à corps, je vous invite à mettre le K8 holo en termes de viseur, le chargeur étendu standard, donc avec 30 balles, le compensateur tactique pour limiter le recul horizontal, qui est le recul le plus compliqué à compenser, je le rappelle, suivi du laser LS1 qui en fait permet un meilleur tir au jugé, parce que sur toutes les armes, le tir au jugé est nul, du moins sans laser. La deuxième config, et ça va être les trois quarts de la vidéo d'ailleurs, ce gameplay que je vous montrerai à l'écran, c'est plus un gameplay moyen, longue portée, mid, long range, avec du coup le scope x6 de M11 x6, ainsi que le chargeur haute puissance qui aura 20 balles, 21 avec une balle dans la culasse, bon bref. Mais voilà, compensateur Warhawk qui apparemment, parce que je suis sûr qu'il y a quand même des bugs, mais apparemment ça réduit seulement le recul vertical et sans effet négatif, donc tant mieux, ainsi que le bipod, le bipied ADR, donc le bipied à équiper sur cette config longue, moyen, long range, vous m'avez compris. Donc voilà, une fois que vous avez ces deux configs là, je vous laisse faire votre avis par vous-même. En tout cas, à l'écran, vous avez le gameplay court portée au tout début de cette vidéo. Et le reste de la vidéo, ce sera du coup un gameplay long range. Et j'espère que ça vous plaira. C'est un gameplay que je trouve très abusé, très cancer, très cheaté en fait, très performant, très puissant. Voilà, tout ce que vous voulez. J'ai hésité longuement à faire cette vidéo parce que je suis pas fier de promouvoir. C'est vrai, hein, j'ai vendu ma dignité, j'ai vendu mon âme au diable pour faire cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment pour moi une arme totalement déséquilibrée et très puissante. Heureusement qu'on se retrouve pas sur le champ de bataille qu'avec des personnes qui jouent cette configuration là. En tout cas, je vous la partage. Évitez de partager trop cette vidéo. En tout cas, si vous avez détesté, n'hésitez pas à vous unfollow et à lâcher votre meilleur pouce rouge. Non, je rigole. Mais en tout cas, j'espère que le gameplay vous plaira. Et si j'ai d'autres configurations en tête, hein, notamment le quatrième sniper du jeu, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, on va dire. Pour le coup, je dirais bien que la C42, bon. Outre le fait qu'elle soit super polyvalente, je dirais bien que c'est la quatrième DMR, donc fusil de tireur d'élite, du jeu. Alors vous me direz, actuellement il n'y en a que 3, mais pour moi la C42 est tout concrètement la quatrième, quoi. Par rapport à tous les autres fusils d'assaut, faudrait, j'ai pas encore testé la Scarache, hein, éventuellement je pourrais me tromper, mais je pense que la C42 a le coup par coup avec le plus de dégâts par rapport à ses autres concurrents en termes de fusils d'assaut. A voir, à prouver, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous laisse enjoy les gars, merci à vous pour le soutien, n'hésitez pas, alors pour le coup, si vous voulez, sincèrement, si vous aimez la vidéo, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse sur du gameplay qui j'espère vous plaira. Début bisous et à la prochaine. Pauvres gens. Attends, je vais quand même ramasser des balles parce qu'il m'en fout. T'es mal à taille de rat. Merci, comme ça je peux avoir un chargeur complet. Merci pour tes balles. c'est ultra cancer les gars. Le gameplay le plus toxique du monde. Je suis désolé hein, mais c'est la C42 et le mode de jeu qui l'oblige. Hein. Ah là là. Ah, il a fait me la mettre ce bug là. Il n'y a pas d'échelle en face. Je survis. Voilà, bam. On fait des économies de balles, les gars. Ah ouais, c'est pas Noël tous les jours. Bon. Oh. Oh là, j'ai eu un vieux bug, là. On m'a hacké, les gars. Oh non. J'ai arrêté de tirer, Oh putain, heureusement que... Ah, je suis loin, Oh, les gars, le gameplay le plus cancer de la planète en vrai. Le gameplay le plus toxique. Je m'en excuse les gars. Ça me ressemble pas. Mais bon, c'est pour la science. Non, GG Hexagone 27, j'ai louché comme un cochon. Ah les gars. On va l'enregistrer cette game. Hein. Faut pas que je la rate de trop. Il nous reste une minute. Ouais. Écureuil, tous les écureuils doivent mourir les gars. Dès que je vois un écureuil les gars, ça m'excite. J'ai envie de lui tirer dessus. Bon voilà. Let's go!
speed game tranquille. Tu scannes. Let's go. Bon. Allez, ça part. Davaï. Come on. Alors, direct, moi je prends la pire config du jeu. Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié ça. Là, je vais me faire spawn kill comme un sgeg. Comment il a fait pour aller là? Bah, il a dû se parachuter. Là, tu vois, c'est là où il me faut le bipied et j'ai pas le bipied, putain. Ah, c'était sûr. J'ai vu un mec me scope, j'aurais dû rester. Me coucher, c'était la pire des erreurs. Le problème, c'est que j'ai perdu. Je cherche s'il n'y a pas d'ennemis pour me casser les pieds. Ah, putain, c'est trop chiant. Sniper contre sniper, les gars. Est-ce qu'il s'en bat les steaks? Non, ça va. C'est un beau gosse. GG cap. Oh, le meilleur. En plus, il me reste avec une plaque, les gars. Vous rendez-vous compte du sacrifice qu'il fait, là? Oh, merde. J'ai plus de balles. Hop là, faut que je me refasse petit. Ou que je crosse, voilà. En fait, je suis obligé de décaler tranquille, voilà. Ah, les balles puissantes te tuent en deux balles tête, hein, les gars. Dommage qu'il ait lancé sa smoke et qu'il soit mort. Y'a plus personne open field, les gars? Fini ça? Tout le monde doit recommencer. Ah ouais, moi ça me fait de la peine, les gars. Ah, oh, ça me fait tellement de la peine. Ça me fait tellement de la peine, les gars. Au lieu de me passer devant là. Oh. Les gars, c'est pire qu'un sniper, le bordel. Ah, oh non, on me l'a appliqué. Bah c'est cool, hein. Là on a déjà 10 kills à la C42, les gars. Ils ont même pas push. C'est là où tu vois que c'est cancer et que les maps sont mal foutues, mais genre très très mal plus quoi. Aïe. Faut vraiment rester discret au plus. Oh là là, les gars, c'est une catastrophe. Et les gars, la C42, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars, ça me fait de la peine. Voilà, point. Je suis meilleur que lui avec un fusil d'assaut. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai pas de quoi me soigner. Ah, tu bombardes dans le tas, tu fais des kills. Franchement, les gars, ce jeu, mais... Je me demande s'ils ont réfléchi à certaines... Bref, c'est abusé. En tout cas, faut que je fasse mes kills avec, donc bah, on va pas se gêner. Hein. Mais même à courte portée, ça respectait, vous le savez ça. Genre, tu vois, je croise un mec, tu vois, bam bam. Bam bam bam. Il a pas été réa, ok. Il me reste 10 balles dans le chargeur avec les balles lourdes. Bam bam bam. Non, mais c'est abusé, les gars. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Non, mais c'est incroyable. C'est open field la mort. Oh là là. Non, les gars, non, pas ça, Zinedine. Pas après tout ce que t'as fait. Oh, je lui ai mis une balle tête, mais il est mort avant. Fait chier. On va piquer mon kill. Sympa ce prio pour tuer les prospecteurs. Ah, oh, ça me dégoûte, les gars. Je me mets à leur place, franchement, j'ai envie de me pendre. Ah, c'est cancer, les gars. Je suis désolé. Apparemment, le jugé est claqué. Ça, c'était une certitude. Oh, dommage, il y avait moyen de faire un truc, les gars. Pff, oh, ça me dégoûte. Ce genre de gameplay me dégoûte. Bon, déjà, la map est merdique, ils peuvent pas push. Mais là, les gars, on a trouvé une arme secrète. En fait, j'hésite à faire une vidéo où je vous présente toutes les armes secrètes ou toutes les configs secrètes comme ça, tu vois. Ou est-ce que je vous fais un gameplay vraiment en mode une vidéo spécifique, en fait. Est-ce que je fais le top 10 ou... Aïe, 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 aïe. Du coup, j'ai repassé sur les balles qui font mal parce que 2 balles tête ça tue, 4 balles ça tue. Peu importe la distance. C'est ouf, carrément ouf. Ah merde, je fais le coup. Ah bah si, j'ai quand même mis la tête, mais voilà. Ça, c'est absolument aberrant, les gars. Carrément aberrant.
Non mais c'est aberrant les gars. Genre, enfin je vais me répéter mais c'est... Comment tu peux laisser le jeu dans un état pareil? Oh non. Ah les gars, est-ce que quelqu'un peut clip s'il vous plaît? Faut que je le mette sur Twitter. C'est juste honteux.